Non, mais il me remarque pas. Je suis complètement transparente pour lui. Il est gentil, il est super gentil, il n'y a pas de problème, mais... Faudrait qu'il ait un déclic ou... Non, mais faudrait surtout que tu y mettes un petit peu du tien. Non, mais c'est vrai, quoi. T'es complètement... Dès qu'il est là, t'es complètement figée, t'oses à peine le regarder. Ah non, mais je ne peux pas le regarder, Il me brûle les yeux, il est trop beau, je ne peux pas le regarder. Non mais il y a un moment donné où il faut se faire un peu violence. Hein. Prends les devants ma grande, je sais pas moi, invite-le au resto. Impossible, incapable, j'en suis incapable. Écoute, de toute façon il arrive d'ici 5 minutes avec Jules et Caro. Oui bon bah alors d'accord, je te l'ai pas dit parce que je voulais pas que tu stresses. Voilà, maintenant ça y est c'est dit. Non mais d'ailleurs tu vas voir comment il est avec ma fille. Non mais c'est magique, il est amoureux d'elle. Non mais quand il la voit, il est baba. T'es belle, t'es trop belle. Tu me regardes, tu me fais des sourires, tu me reconnais. Oh mais t'es... C'est incroyable, t'as des yeux... Oh... Tu têtes ton pouce. Ah, tu bats. T'as vu comme elle est magnifique, c'est incroyable. C'est une splendeur, cet enfant. Bah non, là je suis pas trop stressée, là je suis plutôt contente. Hein. Mais oui, je vais assurer, oui, t'inquiète pas. Il arrive, je te laisse. Salut, excuse-moi, je suis en retard, je suis désolée. Ça va? Mm-hmm.